Good morgen, allez, Iden et Sisro aujourd'hui, le Lunishmat, David Ben Fortuna, Mazal Fritna, Lucien Bat Reina et Moshe Ben Sol Vanish. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maseret Nazir, Perek Dalet, Mishnah et Nizra, Kalea Echan Minadamim, Eno Yachol Lea Fer, Rabbi Akiva Omer, Afilu Nishrata Alea Achat Mikola Behemot, Eno Yachol Lea Fer. Bamed Varim Amurim, Betiglachata Tahara. אבל בתגלחת התאומה יפר שהוא יכול לומר אי אפשי באישה מנובלת. רבי אומר, אף בתגלחת התארה יפר שהוא יכול לומר אי אפשי באישה מגולחת. En troisième Mishnah qui va parler maintenant du sujet de la femme qui prononce un vœu de Nazirut, jusqu'à quand son mari, dans quelles conditions peut-il annuler le vœu de Nazirut. C'est-à-dire, je m'explique très succinctement, une femme peut devenir Nazira, elle sera Nazira pendant 30 jours, à la fin de la Nazirut, elle devra porter des korbanot au Beth Amikdash, se raser la tête, vous imaginez Kojak en femme, Kojakette, et vous voyez l'ambiance. D'accord? Maintenant, le mari, il a le droit d'annuler le vœu de Nazirut de sa femme, depuis le jour où il entend que sa femme elle a prononcé un vœu de Nazirut, parce que il peut dire, la femme elle se souffrir quand elle ne va pas boire du vin, quand elle ne va pas s'impurifier pour les morts, elle ne va pas partir à l'Evaya de la mère de sa copine, ça va lui faire... Il y a deux sortes de raisons pourquoi un mari a le droit d'annuler le vœu de Nazirut. On s'est intéressé dans notre Mishnah précédente à définir ce qui se passe quand il interrompt la période jusqu'à quand il interrompt avant les korbanot. Après, on s'est intéressé à lorsqu'elle interrompt la femme alors qu'elle a déjà désigné les korbanot. Maintenant, on va s'intéresser à savoir jusqu'à quel moment, la dernière limite possible sur laquelle le mari peut annuler les korbanot de sa femme. On va parler de ça, de trois étapes des korbanot, d'une part, et deux étapes chez la femme. Je m'explique. Trois étapes des korbanot. La femme, elle arrive au Beth Amikdash avec ses korbanot. Elle a un khatat, une ola et un shlamim. Khatat, ola et shlamim. On va commencer à prendre un korban au choix. En l'occurrence, on va parler à un moment du cas où elle a pris le khatat, par exemple. On a commencé à faire la shrita du korban khatat. La kapara de la femme n'est pas encore finie. Parce que la capara, il faut nécessairement tout corban qu'on apporte au Beth Amikdash, ça ne suffit pas juste de l'égorger. On ne l'égorge pas sur le Beth Amikdash, on l'égorge à côté du Beth Amikdash, après on récupère le sang, et le sang on asperge sur le Beth Amikdash, sur le misbéach. Et lorsqu'on va asperger le sang sur le misbéach, alors ça y est, c'est la capara. Ça signifie que maintenant, qu'un nazir, depuis le moment où il a commencé à asperger le sang sur le misbéach, il a déjà le droit de boire du vin. Maintenant, pour finir la capara du nazir, quand il finit son rituel, il doit porter les trois korbanot, et puis après, on va passer chez le barbier, le coiffeur du Beth Amikdash, qui va lui faire une coupe à la zéro, il va lui raser tous les cheveux à la boule à zéro, et prendre ses cheveux et les jeter sous la marmite où cuit le korban shlamim. D'accord? C'est le rituel qu'il faut faire, on aura l'occasion de le voir plus dans les détails. Donc je reprends. On a trois étapes dans le korban. On a commencé à faire la shrita du korban, on a aspergé le sang du korban, et on a fini d'apporter les korbanot et rasé les cheveux du nazir. Pour la femme, alors maintenant la femme elle-même, ou n'importe qui apporte son vœu de nazirut, tant qu'on n'a pas aspergé le sang sur le misbéach, il n'a pas le droit de boire du vin. Depuis le moment où on asperge le sang, il a le droit de boire du vin, mais il a pour le moment, il doit encore attendre pour ensuite passer chez le coiffeur pour se raser les cheveux. Donc en fait, il a deux étapes. Le moment où il devient permis à boire du vin, et le moment où il va devoir se raser les cheveux. Trois étapes pour le corban, deux étapes pour les cheveux, pour l'évolution, et ça va nous faire en fait trois avis jusqu'à quand le mari peut-il annuler le néder de sa femme. De manière générale, ce qui me donne le droit essentiellement d'annuler le néder de ma femme, c'est le fait qu'elle se fait souffrir du fait qu'elle ne boit pas du vin, d'une part. Et il y a par ça, le fait que si jamais elle va se raser les cheveux, c'est quelque chose d'un peu dérangeant. Imaginez, vous avez une femme avec la boule à zéro, mais totale, quoi. D'accord, rasé au rasoir, c'est désagréable, mais d'un autre côté, elle peut mettre une belle perruque. Une perruque, c'est pas naturel chez la femme, alors est-ce que ça remplit ça? On a à peu près touché à tous les points de la Mishnah, et on commence à expliquer. Il y a d'abord le premier avis de la Mishnah. Nizrak alea echad min adamim eno yachol lafer. Depuis le moment où on a asperge le sang d'un de ces trois korbanot, le mari ne peut plus annuler le vœu, pour la simple et bonne raison que dès qu'on a un premier sang, du premier korban qu'on a fait, peu importe au choix, qui a touché le misbéach,
Ça y est, on l'a aspergé. Depuis cet instant-là, la femme a le droit de boire du vin, donc c'est plus un vœu qui est en fonction. Même si concrètement, il reste une nécessité d'aller se raser les cheveux, mais le vœu, c'est terminé. J'ai oublié peut-être de préciser une chose évidente, c'est qu'on ne peut pas annuler un vœu après coup. On peut annuler le vœu que quand il y a une conséquence. Je me suis interdit de ne pas manger du pain pendant 2 jours. Même s'il va me rester encore 5 minutes de ces 2 jours où je ne pourrais pas manger du pain, je pourrais annuler le vœu. C'est normal, parce que j'ai pas le droit de manger du pain, et ça me dérange pour les 5 prochaines minutes, donc j'ai le droit d'annuler. Je peux encore demander. Mais une fois que le vœu s'est terminé et que je l'ai tenu, je ne peux plus annuler le vœu rétroactivement une fois que ça s'est terminé. Même principe, on revient avec la femme. Le mari, il a un droit d'annuler le vœu de sa femme tant que la femme, elle est nézira. C'est quoi d'être nézira? Ne pas boire du vin. Dès qu'elle a le sang est arrivé sur le misbéach, on a fini d'asperger le premier corban, la femme n'est plus nézira. Donc le mari ne peut plus annuler le vœu de nézirut, c'est la première vie de la Mishnah. D'accord? Rabbi Akiva, il vient avec une petite roumra et il nous dit non, on va déplacer la limite un petit peu plus tôt. C'est pas la peine d'asperger le sang. Mais même ça suffit, même qu'on a égorgé un des korbanot, ou plus précisément le korban khatat. Afilu nishchita alea achat mikola abemot. Même si on a égorgé, on a fait la shrita d'une des trois animaux, déjà c'est fini que Eno Yahol l'affaire, il ne pourra plus annuler le vœu. C'est un problème technique, c'est pas un rapport par rapport au droit de la du mari sur la femme, parce que réellement elle n'a plus le droit de boire du vin. Rabbi Akiva va me dire, bon ça va de 1 minute le temps qu'on finit d'asperger, c'est pas une fonction. Mais il y a quelque chose de bien plus embêtant, c'est que si on va annuler le vœu à présent, alors qu'on a déjà aspergé le premier corban, plus précisément le corban khatat, il va s'avérer que le corban, on ne va plus pouvoir l'apporter au misbar, il va falloir l'amener au bête à des chaînes, le brûler, parce qu'on ne peut plus le consommer. Et on ne veut pas rendre pas soul, on ne veut pas invalider a priori un corban, tout simplement. C'est un problème de corban notre qu'il arrive et qui va. Concrètement, le mari, il a la capacité d'annuler, mais on lui interdit de le faire, parce que sinon, tu vas envoyer un corban au bête à soul. Tu vas rendre un corban qui va devenir pas soul après coup. Bamedvarim amourim, et sur quoi Rabbi Akiva il a mis cette limite à cause du corban qui va devenir pas soul? C'est sûr, betiglachat atahara, c'est quand le corban, on est en train de le faire pour que la femme va se raser les cheveux et finir sa nézirut. Par contre, aval betiglachat atouma, mais si c'est une tiglachat atouma, ça veut dire, je rappelle, la femme, elle était nézira, elle a tenu le coup pendant 20 jours, après le 20e jour, par erreur, elle est rentrée au cimetière. Elle était en contact, plus rien, elle était en contact avec un mort. Elle doit interrompre sa nézirut, apporter un rituel des korbanot betouma, on aura l'occasion de le découvrir plus dans les détails comment il faut le faire. Elle apporte son korban betouma, et puis après on lui rase la tête, et après on redémarre une nouvelle série. Rabbi Akiva me dit, écoute là, le mari sera encore en droit d'annuler le neder. Tu sais pourquoi? Parce que même si concrètement, même si t'es en plein milieu, qu'on a déjà commencé à porter le korban, parce que la femme elle est nézira, elle a déjà porté son korban, elle nézira qui est devenue impure. Elle va apporter son korban de nazir qui devient impur. Je t'ai dit juste avant, si tu as fait un corban mais que tu n'as pas encore aspergé le sang, je ne veux pas que tu le fasses. Je ne veux pas que tu annules le vœu parce que sinon le corban il va être invalidé. Mais ça c'est vrai uniquement lorsque la femme finit et sur le point de finir sa nésiroute, on dit allez vas-y, laisse couler, 5 minutes, on a fini. Mais par contre, si de toute façon il va falloir redémarrer un nouveau cycle de nésiroute, une fois qu'elle va se raser les cheveux, il va falloir maintenant redémarrer un cycle de nésiroute et on est reparti pour 30 jours, alors pas le droit de boire du vin, le mari va me dire écoutez... Le problème de corbanot qui va devenir invalidé, c'est intéressant. Mais moi, j'ai un autre problème, c'est que j'ai une femme qui ne va pas boire du vin. Et moi, j'aime bien boire du vin avec ma femme. C'est quelque chose qu'elle fait souffrir, j'annule. D'accord? Je reprends dans les mots. Quand est-ce qu'on a limité le droit du mari de ne pas annuler le vœu de sa femme à cause du corban qui va être invalidé? Lorsqu'elle était en train d'apporter des corbanot pour achever sa nézirut, qu'elle allait se raser les cheveux, betahara, dans la pureté. Par contre, elle va le tatouma. Si elle devait se raser les cheveux d'impureté, c'est-à-dire finir, elle a raté sa première nézirut parce qu'elle est devenue impure, donc il va falloir maintenant apporter le rituel et se raser les cheveux d'impureté pour démarrer une nouvelle nézirut, y a faire, il pourra continuer à annuler le mari. Pourquoi? Je suis à Cholomar, Yavshi, mais j'ai mes nouvelettes. Moi, je ne veux pas avoir une femme qui va se faire souffrir, mes nouvelettes dans le sens de faire souffrir, en s'abstenant de bord du vin ou d'aller voir les morts, d'accord? D'aller au cimetière. Rabbi, il arrive avec un troisième avis. Rabbi Omer, non. Av betiglachat atahara yafer. Rabbi me dit, même avec la tiglachat atahara, même lorsqu'elle se rase les cheveux de manière pure, c'est-à-dire pour finir sa nézirut, même si elle a déjà apporté les trois korbanot, il reste juste de passer maintenant chez le, comme on a dit, chez le barbier là, du misbéa, du betamikdash qui va lui raser les cheveux, même à ce moment-là, le mari, il peut annuler le neder. Ah, elle est plus Nézira? Ouais, elle est encore Nézira. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a le droit de boire du vin? C'est vrai. Mais elle doit se raser les cheveux, la boule à zéro. Et quoi?
Je veux pas une femme qui va avoir une tête de Kojak. C'est trop... d'accord, je veux pas, c'est insupportable pour moi. Je ne veux pas que ma femme soit comme ça. Donc il reste encore une conséquence dérangeante pour le mari de sa nésiroute qu'elle a fait. C'est que maintenant, elle va devoir s'arraser les cheveux, elle, qui va être affreuse. Et à cause de ça, je suis en droit de m'opposer à sa nésiroute. J'annule sa nésiroute après ses korbanot, avant qu'elle se rase les cheveux. Chachamim réfute le propos de Rabbi pour la simple raison qu'elle peut mettre une perruque. Et donc, elle ne sera pas affreuse. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord qu'une femme, elle ne doit pas être affreuse. Mais on a encore des solutions pour contourner le problème. Et Rabbi va me dire, non, mais une perruque, ça ne fait pas encore assez... ça fait pas encore assez office de vrais cheveux. Le mari, peut-être, il va dire, ah, c'est les cheveux d'une autre, ça sent le cheveu brûlé. Ou... D'accord ? Petite précision entre parenthèses, bon, vous connaissez sûrement le sujet, est-ce qu'une femme, elle peut mettre le perruque, elle peut pas mettre la perruque, un grand sujet, ça touche normalement à ça, mais il faut bien préciser que c'est pas qu'elle va mettre une perruque et qu'elle va maintenant, d'abord elle va mettre une perruque, elle va être en intimité avec son mari, premièrement, et deuxièmement, même pour tous les jours, elle va mettre une perruque sous son foulard, comme ça va faire du volume, au lieu d'avoir une femme qui est complètement plate, et qu'on a l'impression qu'elle a perdu ses cheveux, alors non, d'accord, ça c'est juste pour la petite parenthèse sur la question de la perruque qui n'a rien à prouver de cette mouchina, est-ce qu'on a mettre une perruque ou pas une perruque, c'est un vaste sujet qui est ouvert dans les poskim pendant très longtemps. Là n'est pas notre propos, pour le moment c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha et une ktiva vechatim batova à tous, bezrat Hashem, toutes les xerot tovot pour vous et pour vos familles et vos proches, qu'on ait toujours le mérite de continuer encore plus dans le limud Torah. Le petit cours de 10 minutes, j'espère que depuis le temps, vous avez encore d'autres cours de 1 demi-heure, de 1 heure, de 2 heures, de 3 heures, même pourquoi pas. Et voilà qu'Hachem nous aide toujours, mais c'est Hachem, à étudier ensemble et encore, et à plus de nous rapprocher de lui, jusqu'à qu'Hachem dévoile sa malchoute sur la planète. Mais c'est Hachem, call to, c'est là.